Je suis Delphine Paciotti, j'ai 39 ans et ça fait 2 ans que je fais de l'équitation. Je pense que l'envie de faire des concours, elle est apparue assez naturellement. Il y a un an, j'ai décidé de m'acheter un cheval parce que j'étais passionnée par le travail à pied, l'éthologie. C'est vrai que je me suis dit « Ah, mais j'avais envie de poursuivre ça avec un cheval à moi » et naturellement, je me suis dit « Il fallait que je me mette un petit peu en compétition avec d'autres et voir un peu ce travail, parce que je travaille quand même beaucoup avec mon animal, comment ça pouvait se montrer en action, en concours et par rapport à d'autres compétiteurs. » Ce qui m'a motivée, c'est d'accompagner les autres en concours. Donc chaque dimanche, je les accompagnais sur les terrains et puis forcément, ça m'a donné un petit peu envie d'essayer. Et quelques mois après avoir commencé l'équitation, donc j'ai fait mon premier concours et puis ça s'est enchaîné. C'est toujours la même chose, un dépassement de soi-même, tout simplement. Après, je suis pas à concours, c'est moi le mal alpha, je vais tous les démonter, etc. Ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la perfection. Ça m'apporte quelque chose de qui va renforcer ma complicité. Ce que j'aime beaucoup dans l'équitation, c'est l'aspect technique. Il y a beaucoup de choses à apprendre.